Lily Rose. Quoi? Lily Rose. Quoi? Mais là, le prof, il est en retard, c'est trop bizarre, c'est bah, jamais arrivé. Ouais, il est jamais en retard, c'est trop chelou. Mais Valentin. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Là, ça fait au moins 30 minutes qu'il aurait dû être là. Mais oui, il est toujours pas là, enfin. Non, mais. D'habitude, il est toujours en avance, non, il est même là la nuit. Va bien. J'espère que Monsieur Foufou va bien, parce que s'il est remplacé par quelqu'un, on pourra ah, plus là, faire. On est foutu là. On pourra plus faire autant de bêtises. Et aujourd'hui, j'avais prévu, tu sais de quoi faire? Non, vas-y. De mettre dis. De la purée sur sa chaise. Ah, comme ça, ouais. Quand il s'assoit dessus, il y a plein de purée sur son pantalon et tout. Ouais, et hier, il s'est fait pipi dessus en plus, tellement il a eu peur de ma blague avec la chauve-souris. C'est arrivé jusqu'à. Attends, il y a quelqu'un qui frappe. Entrez, monsieur Foufou, c'est vous? Oh, bonjour. Foufou. Mais c'est qui? La 5ème D, c'est ici. Oui, vous êtes bien à la 5ème D, pourquoi? Je suis madame Punaise, je suis la remplaçante de monsieur Foufou. Hein? Allez. La remplaçante? Ouais. Mais comment ça, la remplaçante? Non, merci, on n'a pas besoin de remplaçante. Ouais, non, on n'a pas besoin de remplaçante, là. Monsieur Foufou. Non, mais monsieur Foufou m'a prévenu que vous étiez une classe un peu bizarre. Non, mais monsieur Foufou nous a prévenu. Il ouais, va arriver, ouais. Il va arriver bientôt. On ouais, a pas. On a bientôt minutes. Ça m'étonnerait. Il est malade. Oh, il est malade. Pour combien de temps? Bah, ouais. Il est pendant malade. Pour combien de temps? Ah, pendant au moins un mois. Un mois? Attends. Bon, attendez. Il m'a prévenu que vous étiez des élèves un peu. Méchants. Non, mais on est un peu indiscipliné même. On n'est pas méchant du tout. Il y avait une élève en particulier. C'est quoi ça? Ce sont mes affaires de cours. Je peux regarder à l'intérieur. Ne touche pas. C'est à moi. On ne touche pas aux affaires des profs. Okay, bon, okay. Lily Rose, on m'a prévenu que t'étais une élève un peu dissipée. Mais pas du tout. Allez. La meilleure élève de la classe. Mais qu'est-ce que vous faites? Mais non. Voilà. Mais c'est une blague. Comme mais ça, tu pourras pas partir. Mais non, mais vous. Et toi alors, il paraît que t'es le meilleur élève de la classe. Oh, oui. Quand je vois ta tête, ça m'étonnerait. Oh. Allez hop. Mais qu'est-ce que vous lui faites? Attaché. C'est celui qui fait avancer. Non, attends. Vous êtes attachés tous les deux. Et comme ça, vous allez plus. T'as entendu le bruit? Ouais. Quoi? C'est encore un coup de sel. Ça vient de mon sac. Ça vient du sac. Ouais. Mais y'a quoi dans ce sac? C'est quoi? Mais elle t'a vraiment, vraiment attaché. La gagne des choses. C'est la cloche pour dire taisez-vous, ça. C'est la cloche du silence. Ouais. La cloche du silence. Oula. Ah, mais c'est dégoûtant, ça, c'est quoi? Foufou, il avait pas tout ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, toi, va t'asseoir. On va commencer par un cours. D'accord, je vais m'asseoir. Mais c'est quoi? C'est mon sac. J'avais entendu. C'est mon sac. Vous avez des toilettes dans vos sacs? Non mais on dirait des bruits de toilettes, ça sort de son sac, c'est quoi ce truc? Montre-moi, non, c'est en vérité, c'est moi, c'est mon ventre, ça gargouille. Ah c'est bon, c'est votre ventre? Bah vous aussi, et toi? Vous êtes malade aussi? Oui. Regardez, il y a un spray pour vous sur votre bureau. Ouais, bah si vous êtes malade... Oh là là, Lily Rose, tu commences là! Si vous êtes malade, vous devrez partir, vous devriez partir. Pas question, allez. Ah ouais, vous pouvez partir. Cours de science. Lily Rose, non. Faut qu'on fasse quelque chose. Ouais, bah du calme. On peut pas rester comme ça. Aidez-moi, là, je suis bloqué avec ça. Mais on peut rien faire. On peut rien faire. Oui, bon, alors... Allez, cours de science. Chacun une grenouille. Mais c'est quoi, ça? Allez, toi, c'est le Valentin, c'est ça? Oui, le soi-disant élève. Oui. Je suis premier de la classe. Premier, ouais. Allez, hop. Oh, c'est moche. Qu'est-ce qu'on doit faire avec cette grenouille? Alors, cours de grenouille. Mais qu'est-ce qu'on doit faire avec ça? Oh, mon ventre. Oh. Vous êtes sûr que vous allez bien là? Oh là 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 là, je sais pas ce que j'ai mangé, mais bon. Ouais, mais là, c'est vrai que ça fait un bruit. Madame, vous vous tapez la honte un peu. C'est vrai que c'est un bruit très bizarre. Bon, qu'est-ce qu'on doit faire avec cette grenouille, la pauvre? Vous appuyez sur son ventre. C'est dégoûtant. On appuie sur son ventre. Mais non, regardez. Ah, mais ça colle, c'est... Quoi? Ah, la pauvre. Voilà. Oh là 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 là. Vous essayez de faire pareil, bon, et vous regardez dans sa bouche. Avec le bruit que votre ventre a fait, je pense que vous devriez aller aux toilettes. Vous voulez qu'on vous dise où c'est? Non, pas question. Vous allez profiter pour faire des bêtises ou quoi que ce soit. On fait pas de bêtises. Ah oui, on fera pas de bêtises. On fait jamais de bêtises. Non, c'est pas notre genre. Allez-y, profitez pour aller aux toilettes. Bon, je vous fais confiance. Ouais. Mais bon, c'est pas ce que Monsieur Foufou m'a dit. Allez-y. C'est la première porte à gauche. Excusez-moi, j'arrive tout de suite. Première porte à gauche. C'est en plastique, mon truc. Ah, ça, c'est pas vraiment lourd, toi? Non. Bah, parce que Valentin,
Il est vraiment accroché. Ah bah pas moi. Bon, écoutez les amis, il est hors de question de faire ça avec les grenouilles. Du coup, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va en profiter pour s'échapper de la classe. Et on va préparer des pranks pour piéger cette nouvelle prof. Je sais pas si vous avez entendu son ventre, mais ça faisait comme des... Ah non, mais c'est trop bizarre, comme des gros tuyaux là. À chaque fois, on a des remplaçants trop bizarres, mais vraiment. Bon, écoute, vas-y, on libère Valentin. Ouais. Et après, on s'échappe d'ici et on va chercher des objets à la maison pour la pranker, ok? Hors de question qu'on change nos habitudes. Mais t'as vraiment pas de force, Valentin. Mais Valentin, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas des vraies chaînes. Mais ah bon, ben, ça va, c'est pas très lourd. Hein. Si, non, mais porte-le, vas-y. Ah, mais c'est super lourd. Mais oui. Comment t'as fait? Bon, écoutez, vite, on n'a pas le temps. Prenez vos affaires. Enfin, ouais, non, en fait, on va tout laisser ici. Bon, les amis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner dans notre maison et on va prendre plein d'objets pour la pranker. Voilà. Par contre, faut se dépêcher. Sinon, si elle revient des toilettes, on... Excusez-moi. Ah. Y a pas du papier toilette quelque part? Attendez, je vais prendre ça. Ah, prenez un cahier. J'arrive. Restez là. Oui. Et revenez pas trop vite, hein. Non. Allez, je pense qu'on a largement le temps d'aller la pranker. Ouais. Allez, rendez-vous à la maison. Dépêche, c'est parti. Allez, Lily Rose. Voilà, c'est bon, on est rentré chez nous. Ouais, regardez, on est dans le Pink Lily Shop. Et ça tombe bien, j'avais préparé plein de pranks pour Monsieur Foufou. Vous allez voir. Ah non, mais là, vous êtes déjà en train de les découvrir. Regardez. Alors, regardez, j'avais prévu... ça. Non, pour Madame Punaise, elle s'appelle. Ouais, Madame Punaise. Non, mais ça, c'est une casquette. Ça, je l'avais prévu pour Monsieur Foufou à la base. Ah. Mais bon, du coup, ça va changer de personne. Et bon. Regardez, une casquette extensible. Ah, t'as tout à fait compris ce qu'on va faire. Donc, on va lui faire croire que c'est des casquettes. Vas-y, mettez tous une casquette. Hop. Non mais pas comme ça. Non mais rétrécis un peu le manche. Rétrécis. Ah, non, oh, va pas t'abîmer. Ouais, Attends, je vais faire ça comme ça. Allez, rétrécis ça un petit peu le manche. Donc on a déjà ça. Donc si elle s'approche de nos tables, hop, on attrape sa tête avec. Et non. Ah ouais, comme ça. J'ai une idée. Oui. Quand elle est proche, on fait ça comme ça et on lui donne des coups. Ah oui, on lui donne des coups comme ça. Allez, vas-y, attaque. Attendez, on va essayer. Attaque. Attaque. C'est horrible. Je vais casser la caméra comme ça. Regardez. Ouais, non, attendez. On va pas se crever un œil comme ça là. Et on réserve le prank pour la prof. On réserve le prank pour Madame Punaise. Bon, allez, rangez votre manche de canne à pêche là. Allez, donc on a ça. Et surtout, on a les ciseaux. Les giga ciseaux. Donc ça, c'est pour couper les cheveux des profs. C'est pour couper les cheveux des profs. Voilà. Et ensuite, on a les pop-its. Alors ça, on les met dans une canne à pêche. Ouais. Et ça sert à propulser le pop-it. Attention. Vas-y. Bon, vas-y. C'est Lily Rose l'experte. Attention. 3, 2, 1. Ah, mais Lily Rose, un peu d'effort! Mais ça marche pas! Ah, non, mais casse pas la canne à pêche! C'est nul ton truc! Mais non, c'est pas. Ah non, regardez! Voilà! Allez, comme ça on peut l'attaquer! Bon, allez, c'est pas grave. Bon, les amis, on n'a pas trop le temps de trouver des solutions. Du coup, Attendez! On prend le panier à Poppy. Ah, voilà! Ouais, l'escrime! Bon, allez, parfait. Une, deux. Bon, allez, vous avez tous une casquette? Oui. Vous avez tous votre canne à pêche? Oui. Votre épuisette? Oui. Allez, on prend le panier à popite, les ciseaux. Et bon, j'espère qu'elle est encore aux toilettes le temps qu'on retourne à l'école. Vas-y, je te laisse prendre ça. Et tu le cacheras sous ta chaise. Ouais. Ok. Ok. Allez, c'est parti. Et Valentin, là! Quoi? Allez, vite, on y va! Oh là là, non mais les amis, je vous jure, avec eux, on n'est pas prêt de faire des pranks qui réussissent. Hein. J'espère qu'ils vont pas tout gâcher au dernier moment. Bon, allez, à tout de suite à l'école. J'espère qu'elle n'est pas encore revenue des toilettes. De retour en 5ème D. Avec l'équipe de choc, regardez-moi ça. Ça fait 3 ans, on est en 5ème D. Ouais, ça fait 3 ans qu'on est en 5ème D, mais bon, on n'arrête pas de redoubler en même temps. Allez, bon, allez, ça, il faut le cacher sous ta chaise. Vas-y, hop, let's go. Les chaînes. La casquette, on la garde. Faites semblant de remettre les chaînes. Comme ça, quand elle revient, elle n'est pas choquée. Voilà, elle croit qu'on est encore en train de travailler, en train de jouer avec Et ça, on dit que c'est Monsieur Vous qui nous l'a donné. Avec sa grenouille. On dit que c'est un truc pour mieux réfléchir. Ouais, c'est pour mieux réfléchir. Pour capter le tableau. Ouais, c'est pour capter le tableau. C'est comme des télécommandes à élèves, en fait. Voilà. Bon, allez, les amis, on va se mettre bien là, comme ça. Hop. Et on a des dégâts. Elle revient, on a entendu son ventre. On a entendu son ventre. Ah. Bonjour. Ah. Bon, ça va mieux, mais bon. Vous allez mieux? Ça va. Bonjour. Bon.
Là-bas, j'ai pas trop entendu de bruit. Ouais, non, mais qu'est-ce qui se passe ici? On était très sages, madame. Ouais. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez sur la tête? Alors, c'est monsieur Fou qui nous les a donnés pour capter le tableau et pour capter l'intelligence. C'est pour mieux réfléchir. Ah, ça, oui, je suis allez, très intelligent. Approchez-vous un petit peu pour voir cette invention. Moi, je connais pas. Approchez-vous. Approchez-vous. C'est les nouvelles réformes de l'éducation. Ah! Il est folle! Vite! À l'attaque! Vite! Non, pas sur moi! Ah! À l'attaque! Ah, mais ils sont devenus fous! C'est des élèves! Vite! C'est des élèves! Les cheveux! Vite! Ah, mes lunettes! Les cheveux! C'est bon, j'ai ses cheveux! Ouais! Ma perruque! J'ai ses cheveux! On va me reconnaître dans la rue maintenant! Ah! J'ai ses cheveux! Oh, c'est ça, je m'en vais! Ah, les cheveux! Les pop-its! Les pop-its! Attaque de pop-its! Allez! On m'avait prévenu! Vous étiez insupportable! Allez! Elles sont où mes lunettes? Encore! Ah allez hop, du balai! Oh non, j'en peux plus, je démissionne! Du balai! Démissionnez, on veut monsieur Foufou! Allez, oust! Ouais! Dehors! Dehors! La pépeuse! Dehors! Regardez-moi ça! Oh là là, ouais. Regardez-moi ça. Franchement, elle a des cheveux doux. Hein. Magnifique, magnifique cette tenue. Hein. Là, la caméra, elle manque de se faire attaquer par les fillettes. Mais c'est très bien. Bon, les amis, nous, on va certainement retrouver notre monsieur Foufou dès demain. Elle risque pas de remettre un pied dans cette école, vu tout ce qu'on lui a fait. Et ça, c'est encore une victoire pour l'équipe des 2010. Ouais bon, eux, ils ont pas trop participé, mais bon. Ouais. Ouais, bon, malheureusement, force à eux, hein. Je pense qu'ils sont... Et vous êtes gonflés de pas avoir participé, hein. Ah. Bon, allez, les amis, les cheveux. Non les je amis. reviendrai, je vous assure, je reviendrai. Ouais. Si vous voulez avoir des nouvelles de l'école des foufous et de... Mais qu'est-ce que tu fais, attaque pas les élèves. Oui, bah, il y avait de... qu'à participer. Si vous voulez avoir des nouvelles de monsieur Foufou, revenez sur une prochaine vidéo. En attendant, vous pouvez cliquer sur une vidéo qui apparaît sur votre écran. Abonnez-vous, activez la cloche. Et surtout, à la prochaine. Ciao, ciao, bye ciao bye. C'est bon.